L'agriculture dans la biodiversité, je vais rebondir sur les paroles à l'instant. En fait, c'est vrai que moi, je raconte, vous savez, très souvent ces histoires de vivants. En ce moment, si vous regardez sur Internet, sur YouTube, il y a deux vidéos qui font un malheur, là. Une qui a fait 300 000 vues et une d'avant-hier qu'on a déjà fait 60 000 sur ces relations justement du crise du vivant. Ce que je dis souvent, c'est qu'on se préoccupe du climat. Heureusement, c'est parfait, bien sûr. Il faut continuer. Mais au colloque de l'IUCN à Marseille, il y a quelques mois, on a reconnu simplement qu'on avait parlé 8 fois moins de la biodiversité que du climat. Donc, on a un peu conclu la session de Marseille en disant climat, vivant, même combat. C'est pas toujours lié, mais ça l'est presque toujours, hein. La surpêche du thon rouge n'a rien à voir avec le changement climatique. Mais globalement, n'oublions pas le vivant. Et c'est un peu le propos de ces vidéos que je fais régulièrement. Et donc, moi, je vous remercie de m'avoir invité aussi parce que, Christian, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et au muséum, c'est vrai que je trouve que pendant très longtemps, on ne s'est pas assez préoccupé des impacts environnementaux du monde agricole. Ça vient maintenant, hein. On a de jolis travaux avec l'INRAE sur ces questions-là. Donc, le vivant, quelques images. Je prends deux écosystèmes parmi les plus riches de la planète en nombre d'espèces ramenées à la surface, hein. La forêt tropicale humide, dans les collections du muséum à Paris, ça représente plus de la moitié des êtres vivants qui sont déposés. En gros, on connaît dans le monde aujourd'hui 2,4 millions d'espèces, hein, connues. Ça veut dire connues, reconnues, déposées dans un musée. Et puis, au niveau terrestre, 1,9 million. Au niveau marin, un peu plus de 300 000 espèces connues. L'équivalent forêt tropicale en mer, c'est le récif corallien, en aspect fonctionnel, hein. À peu près, on peut imaginer qu'on a là quelque chose comme, effectivement, 300 000 espèces connues. Alors, c'est intéressant le corail parce que si vous regardez une carte une planisphère de la planète et de l'océan, le corail, il fait même pas 1% de la superficie totale et pourtant, il représente plus du tiers des espèces connues. Donc là, vous avez un merveilleux exemple de ce qu'on appelle un point chaud, un hotspot, hein, de diversité biologique. Alors, je passe de la forêt tropicale et du corail à une ville, Shanghai. On va parler de la Chine. Shanghai, c'est très simple, c'est le tiers des Français. Le tiers des Français dans la même ville. Donc vous imaginez l'impact environnemental. L'humain arrive, il détruit, il construit. Maintenant, de dire qu'en ville, il n'y a pas de vivant, ce n'est pas vrai. Si je prends le cas de Paris, on s'y intéresse beaucoup en ce moment. En gros, vous savez très bien à l'INRAE qu'on a un peu plus de 7 000 espèces vivantes de plantes actuelles connues en France. Eh bien, il y en a plus de 1 000 dans Paris. Et je ne parle pas des espèces tropicales introduites. Donc ça veut dire que l'humain détruit, le vivant se réinstalle par la suite, hein. Et c'est un gros débat qu'on a en ce moment, bien sûr, avec le fameux point de la nouvelle loi zéro artificialisation nette, hein, qui va poser, bien sûr, vous imaginez bien, des questions sur l'impact du BTP sur l'environnement. Deux préoccupations majeures actuellement, le climat, hein, vous en savez bien, l'INRA travaille beaucoup là-dessus, l'INRAE. Donc je vous ai mis en bas une courbe des températures de surface de l'océan, c'est la même pour la température de l'air depuis 140 ans. Ça s'affole depuis les années 70, hein. Et puis ça monte chaque année qui passe, et bien souvent la plus chaude qu'on ait jamais répertoriée depuis 140 ans. Le corollaire, ben, c'est la fonte effectivement des glaces arctiques et antarctiques, hein. Là, vous avez une image du Groenland. Vous voyez les articles sur la température incroyable en Sibérie, hein, ou bien au Groenland. Idem pour l'Antarctique avec la fonte des glaciers. Et en bas, une préoccupation majeure pour les gens qui s'intéressent à l'océan et aux traits de côte, c'est la montée du niveau de la mer. Et ça, vous savez très bien que ça ne va pas s'arrêter tout de suite. C'est parti, hein, on a mis du temps pour s'en préoccuper. En gros, aujourd'hui, ça remonte 4 fois plus vite qu'il y a 40 ans, ce qui est incroyable. On était à 1 mm par an durant les 2 siècles écoulés, et là, on est largement au-dessus. Donc, préoccupation majeure, hein, qu'est-ce qui va se passer? Et ça lance tout le débat sur l'occupation du trait de côte. Quand on dit aux gens, retirez-vous du trait de côte, oui, c'est bien joli, mais quand on est sur une île, hein, vous vous retirez du trait de côte et vous arrivez de l'autre côté. Donc, ça pose de réels problèmes. Et la seconde préoccupation, c'était l'objet du colloque de l'IUCN à Marseille, c'est le vivant. Alors je dis souvent, moi, je ne suis pas pour le mot extinction, vous verrez, je ne l'utilise pratiquement jamais, je parle de crise d'extinction dans le passé. Bruno David, mon successeur, parle de à l'aube d'une nouvelle extinction, peut-être. Si on ne change rien, on va se la prendre, ça c'est sûr. J'espère encore qu'on va changer. On est aujourd'hui, en définition scientifique, sur un effondrement du nombre des individus dans les populations vivantes sauvages. Et à l'inverse, vous en savez quelque chose, une explosion du nombre d'animaux domestiques. 23 milliards de poulets aujourd'hui, 1,3 milliard de vaches. Alors, on va bien voir que la préoccupation, c'est ni la vache, ni le poulet, ni la voiture, ni l'avion, ça va être la démesure. C'est vraiment ça qui nous affecte beaucoup aujourd'hui, en incluant dedans, bien sûr, la démographie de l'humanité. Et sur cet effondrement du vivant, il y a quelques trucs qui se passent. Voilà un nouveau apparu.
Il est apparu quelque part durant l'été 2019. Hein. Il a commencé à frapper en France au tout début de l'année 2020. On avait un cas de mortalité à la pile salpêtrière d'un Chinois qui est décédé en décembre 2019. Coronavirus 19, c'est quoi? Ben, c'est un virus de chauve-souris au départ. Et ces chauves-souris, elles vivent loin de Wuhan. Donc, ce qui veut dire que ce virus, quelqu'un est allé chercher des chauves-souris à une époque, les a ramenées. On a parlé de marché. C'était le cas du SARS-CoV-1. Hein. Pour celui-ci, probablement qu'il est probablement passé par un laboratoire et puis ben, il est sorti. Et aujourd'hui, ben, justement, à l'instant, j'écoutais notre ami qui disait on ne peut pas se voir en présentiel parce que je vous rappelle que ce petit virus, il a 15 gènes. 15. Nous, on en a 29 000, les humains. Alors, comment un petit truc de 15 gènes qui n'a pas de dessin particulier hein, est en train aujourd'hui d'empoisonner la situation? C'est une vraie question dans laquelle le vivant et la biodiversité ont été maltraités. Donc, nous sommes intranquilles. Là, je vous ai mis un arbre du vivant, on aime beaucoup ça, vous savez, au muséum. On a classé, on a représenté, on a fait un graphique du vivant. Depuis les premières cyanobactéries apparues dans l'océan il y a un peu moins de 4 000 millions d'années, un peu moins de 4 milliards d'années, les procaria, les eucaria, vous les connaissez bien. Là-dedans, toutes nos espèces d'intérêt agronomique, hein, qu'on connaît bien à l'INRAE, et puis les humains, bien entendu, qui sont quelque part là-dedans. Et cet arbre général, qui est très buissonnant, hein, est très important. C'est la connaissance actuelle. 2,4 millions d'espèces connues, déposées dans les musées. Par rapport à la réalité, allez, il va être bon prince, 10% du réel. Donc, un gros travail à faire. Et en nombre d'espèces, c'est très simple. Aujourd'hui, je regardais depuis 20 ans, ça ne bouge pas. Hein. On décrit entre 16 000 et 18 000 espèces nouvellement connues chaque année. Ils ne sont pas apparues. Hein. On apprend à les connaître. Donc, au rythme actuel, c'est simple. Hein. 20 millions peut-être en réel, 2 millions connus, 18 millions. Au rythme actuel, il nous faut 1 000 ans pour simplement décrire ce qui existe. Eh bien, on n'en a pas le temps. Parce qu'on sait maintenant que dans les situations actuelles, on va en perdre la moitié à la fin de ce siècle si on continue comme ça. Hein. La forêt tropicale humide, on a dit, le récif corallien, entre autres. Donc voilà, le défi est clair. Hein. Il est bien sûr dans les approches génétiques, hein, d'utilisation d'ADN environnemental pour déceler des populations plus que simplement des espèces. Marseille, conclusion du dernier sommet international là-dessus, puisqu'on n'a pas eu la CDB, vous savez, là, il y a l'air poussé à Kunming sans arrêt. Donc, les conclusions du Marseille Manifesto, on y était tous, 1 400 chercheurs du monde entier, ont fait un statut et science is very clear. Hein. Je défie un scientifique aujourd'hui de me dire qu'on n'est pas dans un effondrement du nombre des individus dans les espèces vivantes sauvages. Donc, on a dit climat vivant, même combat. Comment nous maintenir en dessous du degré et demi? À 2 degrés, on perd le corail. Et je viens de vous dire que le corail, c'est le tiers des espèces marines actuellement présentes. Hein. Déforestation d'un côté, que vous connaissez très bien à l'INRAE pour la forêt tropicale, avec nos amis aussi de l'IRD, du CIRAD, on travaille beaucoup là-dessus. Hein. Et puis le problème du climat qui est lié effectivement en partie à ce vivant. N'oubliez jamais une chose, c'est que le climat qui change affecte le vivant, mais n'oublions jamais que le vivant qui part en retour affecte le climat. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. Voilà. Travaux de l'UICN il y a quelques mois, il y a juste un an, hein, 13 ans d'études en France. Ça, c'est la France et les territoires outre-mer. Ben, ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. Hein. Et ce qui est terrible, c'est que même les espèces pour lesquelles on a un intérêt particulier, je pense aux grands mammifères, aux oiseaux, par exemple, ben, ça part quand même. Hein. Regardez aujourd'hui les quelques retours de grands prédateurs en France. Le lynx est revenu, le lynx boréal, le loup. Je pense que le loup n'a jamais disparu de France. Hein. Il devait rester quelque part du côté du Mercantour. Il se réinstalle. L'ours, c'est différent, parce que l'ours, on le ramène. Le loup, il est revenu tout seul. Donc, tout ça, c'est à discuter. Et les relations avec le monde agricole, hein, le monde pastoral, qui nous intéresse beaucoup aussi. Donc, tout ça, c'est sur 13 ans. Malheureusement, chaque fois qu'on sort nos chiffres, ben, c'est pire ce qu'on avait imaginé et c'est pire que ce qu'on avait fait avant. Je vous renvoie à 2002, Johannesburg, le sommet de la Terre. C'est le sommet où Chirac avait dit, vous vous rappelez, la maison brûle et on regarde ailleurs. Eh bien, écoutez, on s'était engagé en 2002 à arrêter l'érosion du vivant. Chaque fois qu'on se voit, vous vous rappelez la grande conférence à Paris, vous y étiez de janvier 2010, hein, l'année de biodiversité, ben, on se rend compte que ça part, et puis en 2020, c'est pire, et ça continue. Donc, la vraie question, c'est alors qu'on connaît la situation, pourquoi on n'est pas capable de réagir? Et c'est sûr que le monde agricole joue un rôle très important. Je ne l'accuse pas d'être destructeur de tout ça, pas du tout, hein, mais il joue un rôle très important dans les deux sens.
hein, il fait attention. Tout à l'heure, on a dit très justement que la biodiversité est essentielle. Qu'est-ce qu'on produit en agriculture? De l'alimentation. Nous ne mangeons que de la biodiversité. Et on ne coopère qu'avec. Donc, le monde agricole a un rôle essentiel à jouer dans ces conditions de maintien du vivant, d'intérêt agronomique, mais bien sûr aussi du vivant sauvage. Donc, question posée il y a 10 ans par des collègues géologues dans Nature, est-ce qu'on est en train de mettre en place les conditions d'une nouvelle crise d'extinction, au sens crise du passé, hein, qu'on travaille beaucoup au muséum, hein, les grandes crises, on en connaît 60 depuis à peu près 800 millions d'années, dont 5 majeures, est-ce qu'on est, on met pas en place la sixième? On détruit et on pollue, vous le savez très bien. On surexploite, on dissémine tout partout. Et le climat change trop vite, hein. Donc, ces 5 causes sont bien identifiées, bien connues. Et c'est vrai que d'imaginer un système où, alors, on peut aller vers un agro-système général, c'est-à-dire qu'on bah, on laisse partir tout ce qui est sauvage, et les zones humides, la forêt tropicale, on cultive partout pour alimenter 8 milliards d'humains. C'est une vraie question. Mais moi, le monde agricole, je me sens très proche de lui et je suis très solidaire de lui aussi. Hein. Sans eux, comment on aurait passé la crise du Covid? Et ça veut dire aujourd'hui que la question est de nourrir 8 milliards d'humains, mais dans un cadre bien précis. Quand on a dit au monde agricole dans les années 50, produisez plus, 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 le moins cher possible. Le problème, il est là. Et mon combat, vous le connaissez, c'est aujourd'hui que le monde agricole soit correctement rémunéré pour le travail qu'il produit. Si on fait ça, on n'aura plus ces problèmes de pesticides qui nous empoisonnent l'existence aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a là quelque chose de très fort. Les terres agricoles peuvent jouer aussi un rôle important dans le stockage du CO2, bien sûr. Alors, ces courbes, vous les connaissez tous. Le monde agricole y est extrêmement attentif. Hein. Température de la surface de l'océan, travaux de Valérie Masson-Delmotte ici à l'IPSL. Température de la Terre, bah, effectivement, c'est en train de s'envoler. Et on a fait des scénarios, ce que fait le GIEC, la IPCC, pour voir dans quelles conditions on va se maintenir. Alors, premier but, effectivement, séquestrer ce carbone et ces gaz à effet de serre qui nous empoisonnent l'existence. Il faut être de très mauvaise foi pour dire aujourd'hui que l'humain n'est pour rien là-dedans. Vous le savez très bien. Hein. Donc, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui sur cette question de climat? Avec deux buts. Hein. Un, effectivement, tenter de freiner ce changement climatique accéléré. Ça qu'on vit aujourd'hui, c'est le climat a tout le temps changé. On vit une accélération. Et deux, adapter l'humanité et donc le monde agricole, bien évidemment, à cette question de ce climat qui change trop vite. Voilà, ça c'est un travail aussi de l'IPSL. Vous voyez des vagues de chaleur. Bon, écoutez, on est sur 20 ans. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de centaines de millions d'années. Donc, vous voyez très bien qu'on est sur des choses qui se produisent très, très, très vite. La mer monte, la température augmente, air et surface de l'océan. Les vagues de chaleur, vous connaissez très bien au niveau agricole, c'est une catastrophe. C'est les sécheresses répétées, répétées et qui durent. Donc, tout ça, c'est extrêmement intéressant à prendre en considération. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on a passé l'époque où on disait oui, vous avez raison, on verra ça plus tard. On ne peut plus voir ça plus tard. Hein, c'est mon combat, vous le savez très bien depuis 20 ans, hein, c'est de dire aujourd'hui que ben, ces questions-là sont essentielles et prioritaires pour qui que ce soit dans le monde agricole, mais pour chaque chef d'entreprise, c'est aussi la même chose. Hein. Alors, l'eau. Hein, moi, je suis également élu en Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas si tu le savais, Christian, et j'ai un programme qui s'appelle One Health. Bien sûr qu'avec l'INRAE, on va travailler beaucoup. Je vous ai mis Atacama, désert que je connais bien entre la frontière entre le Chili et le Pérou. Il ne pleut jamais. C'est plus sec que le Sahara. Eh bien, vous voyez bien qu'il n'y a rien du tout. Et tous les 12 ou 13 ans, sur un phénomène El Niño, le désert se couvre de fleurs. L'eau, c'est la vie. Et chaque paysan le sait très bien. Il n'y a pas d'agriculture s'il n'y a pas d'eau. Hein. On le sait très, très, très bien. Je vous ai mis en bas des espèces hydratées plus ou moins. Hein. Une méduse marine, c'est 98% d'eau. Le plus sec que j'ai trouvé, c'est une graine de datte. 5% d'eau. Hein. On la remet dans l'eau et ça repart. Donc, vous voyez que cette eau, elle est absolument essentielle. Et l'impact social est évident, bien sûr. Hein. Je vous emmène ici en Afrique. Ça, c'est un travail qu'on avait fait quand j'étais au ministère en 2015, au moment de la COP21. Le changement climatique. C'est 40 milliards d'heures de travail supplémentaire des femmes africaines uniquement collecting water, aller chercher de l'eau. Vous imaginez l'impact sur les activités agricoles. Hein. Et je me suis souvent arrêté sur les routes africaines, mesurer le volume de bidons de plastique chinois que ces jeunes filles ont sur la tête. En gros, c'est entre 15 et 20 litres, 15 à 20 kilos, tous les jours à 15 km. Quand elles font ça, elles ne vont pas à l'école. Drame africain et ailleurs aussi. Elles ne sont jamais rémunérées pour faire cela. Elles ne sont jamais, vous le savez bien, propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent. C'est toujours des garçons.
Et enfin, elles font des mauvaises rencontres en route. Voilà. Mais la question de l'eau, elle est... Et je termine ce morceau en disant, ben, prenez en considération un seul fait. Un bébé humain qui naît, c'est 3/4 d'eau. Voilà. Donc, vous imaginez bien que le monde paysan le sait bien, que cette eau est absolument indispensable au vivant. Alors, quel est le changement climatique, qu'est-ce qu'il entraîne sur le vivant? Avec une température qui augmente, vous le savez bien aussi, une réaction métabolique, donc ça augmente le métabolisme, qu'on soit dans l'eau ou dans l'air, c'est pareil, et ça déclenche des migrations. On va quitter des zones qui deviennent de mal-être pour aller vers des zones qu'on estime encore être de bien-être. On cherche des zones plus favorables pour s'alimenter, pour se développer, pour se reproduire. On évite ce mal-être que j'évoquais à l'instant. On recherche de nouveaux territoires. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce changement climatique et la déforestation qui va avec, et souvent on dit en Afrique, hein, nous amène à regarder des zones où la nourriture devient de plus en plus rare. Le retour vers l'Arctique, hein, c'est spectaculaire depuis très longtemps, avec également un second facteur qui est la longueur du jour, hein, qui joue beaucoup aussi sur ces questions-là. Donc c'est sûr qu'au niveau agricole, là, on a des impacts qui sont extrêmement importants, comment on va adapter nos plantes et nos techniques, bien sûr, dans le futur, à cette histoire du climat. Alors, le monde agricole s'est développé à partir de domestication. Là, je vous ai mis les travaux de Jean-Denis Vigne du Muséum qui montrent où étaient domestiquées les premières espèces d'intérêt agronomique. Le chien, 35 000 ans maintenant, on est plutôt 35 000 ans, dans des zones qui correspondent à la Chine et à la Pologne actuelle. Le chat, on est vers 10-15 000. Puis après, toute la kyrielle d'espèces que vous connaissez bien, la vache, le cochon, la chèvre, le mouton, le zébu, si important en Afrique, qui a été amené d'Asie. En Amérique latine, lama alpaca, hein, les camélidés sud-américains. Puis l'âne, le cheval, le chameau, le buffle, le dromadaire, le coq qui nous vient d'Inde. Tout ça a joué un rôle tellement important dans l'histoire de l'humanité et l'humain migrait avec ses animaux domestiques. Hein. Si vous allez à l'île de Pâques aussi isolée, il y a des poulaillers partout. Ils sont arrivés avec leurs poulets. Et puis, ils ont vécu comme ça 1000 ans, pratiquement en autarcie complète. Le plus récent, c'est le canard. Pardon, c'est le lapin le plus récent. Hein. Et vers à peu près 2500 ans, le lapin, à l'époque, il ne vivait que dans le sud de la France et dans la péninsule ibérique. Donc, c'est intéressant de réfléchir à tout ça, en fait. Hein. Donc, le vivant démarre et l'agriculture emmène ce vivant domestiqué vers les régions, vers où il se destine. On a un très beau travail de Jean-Denis Vigne à Paris sur, d'ailleurs, l'arrivée des cochons à Chypre. Hein. C'est à peu près à la même époque que les cochons d'Inde vers l'Asie du Sud-Est, hein, vers ce qu'on appelle l'époque insulaire, on est vers 11 500 à peu près. Donc, vous voyez que tout ça est très intéressant. Et l'agriculture a joué un rôle essentiel. Je dis souvent, il y avait des humains sans agriculture. Il n'y a pas d'humanité sans agriculture. C'est absolument clair. Alors, et puis, bien sûr, je parle un peu de marin, parce que j'aime bien aussi l'océan. Donc, bien sûr, les élevages marins, nous ne les oublions jamais, l'aquaculture marine, comme également des eaux continentales ou des eaux saumâtres, hein, est aussi très importante. Alors, on va revenir au sol, les écosystèmes. C'est là mon combat au niveau agricole. Et je vais être un peu péremptoire quelques secondes, ce n'est pas mon style, mais on ne pourra pas alimenter 8 milliards d'humains avec des sols qui sont morts. Ça, c'est mon... Aujourd'hui, ça passe partout. J'ai plus de monde agricole qui me dit « mais on verra bien ». Ramener de la diversité biologique et de la matière organique dans les sols, c'est très important. 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de micro-champignons, qui les connaît? Et puis nos tardigrades, nos lombriques, nos nématodes, nos colamboles, nos acariens, ça, c'est fondamental. Et pour le monde agricole, je vais être très clair, hein, ça représente 1/4 des espèces connues sur la Terre, 2 fois plus que dans l'océan. Hein, les sols du monde, c'est ça. Et aujourd'hui, on a tué la moitié des sols. Donc là, il faut absolument qu'on restaure cette vitalité des sols. Sinon, il n'y aura pas d'agriculture possible si on ne fait pas ça partout, dans tous les endroits où on travaille. Et ça, c'est un petit peu la courbe la plus dure que j'ai à vous montrer. C'est envers l'effondrement du vivant sauvage, ce qu'on appelle effectivement la révolution anthropocène, hein, l'accélération. En bleu, ce sont les animaux domestiques, hein. Les vaches, les cochons, les poulets, les moutons, les chevaux, les chèvres, et puis les chiens et les chats, bien sûr. En rouge, les humains. Donc, on est dans un monde où on a inversé le système. Donc là, encore une fois, hein, ce n'est pas de crier à rose sur la vache ou le cochon, c'est de dire que la démesure nous pose d'énormes problèmes liés à la démographie. Hein. 2 chiffres. 1940, 2 milliards d'humains sur la Terre. Aujourd'hui, 8. Bon, voilà, le défi agricole, il est là. Nourrir demain 9 milliards d'humains. Produire plus sans augmenter indéfiniment les surfaces agricoles, ça c'est fondamental. Aujourd'hui, à peu près 1500 millions d'hectares à peu près. Ne pas gaspiller l'eau, vous le savez très bien. L'eau est indispensable, comment on l'utilise? Elle n'est pas perdue, l'eau qui sert effectivement à irriguer, mais comment on l'utilise? Comment on la restitue dans des conditions sanitaires dignes de ce nom?
Les pesticides et insecticides dangereux, il faut les bannir. Moi, j'en ai marre d'entendre, oui, on ne peut pas faire sans. Ce sont des produits dangereux, qu'on les arrête. Il faut remplacer. Alors, par contre, les vrais programmes de l'INRAE, pour moi, c'est effectivement quelle alternative hein, à ces usages-là? Diminuer les intrants, on en a parlé tout à l'heure, produire des produits qui soient sains et pas forcément toujours chers pour les gens qui ne sont pas riches, ne pas détruire le vivant en tirer parti, faire de la polyculture. Ça, c'est un de mes messages très forts. Hein. J'ai un excellent ami qui a 100, 140 hectares, un paysan hein, qui est en Vienne, il me dit, je suis polyculteur, j'adore, hein. C'est très important. Ramener de la vie dans les sols, on l'a dit, et puis créer de l'emploi. Hein. Et ça relance le débat sur la mécanisation, parce que tout à l'heure, je parlais de sols qui sont morts. Les raisons ne sont pas que les produits chimiques. C'est aussi une mécanisation d'engins beaucoup trop lourds, avec des labourages beaucoup trop profonds. Voilà, tout ça, de merveilleux programmes de recherche fondamentale pour l'INRAE et pour ses partenaires. Donc, nous voulons entendre quelques coquelicots, c'est sympathique. Voilà, je répète que si le vivant est affecté par le climat, le vivant qui s'en va affecte le climat en retour. Travaux de l'INRAE ici, vous voyez très bien effectivement que bah, selon qu'on est en milieu tropical ou milieu tempéré, ce n'est pas la même chose au niveau des précipitations. Si on coupe tous les arbres, il ne pleuvra plus. Sans pluie, il n'y a pas d'agriculture. Donc vous voyez que c'est très, très, très important tout ça. Alors voilà, travaux qu'on fait avec le monde agricole. Moi, je suis en pays maintenant, vous le savez, bordelais, je travaille beaucoup avec la sylviculture d'un côté et la viticulture de l'autre, prévoir pour agir. L'impact du climat qui change en Nouvelle-Aquitaine sur la viticulture. On a un gros projet qui s'appelle Vitirev, qui marche bien là-dessus à l'heure actuelle. Voilà, un très joli travail de l'INRAE, d'ailleurs, fait dans l'est de la France sur les arbres, qui montre qu'ici, lié au changement climatique, les arbres ils font le boulot au niveau altitude. Nos arbres ont montré environ 100 mètres dans les massifs montagneux français sur 20 ans. Et puis, ben, au sol, ils n'arrivent pas, ça va trop vite. Hein. Le climat change trop vite pour permettre aux arbres de pas se déplacer en latitude et longitude par rapport justement à ce que les modèles nous donnent. Une vraie question posée là-dessus. Hein. Et puis, ben, voilà, un joli travail que l'on développe aussi avec la viticulture bordelaise dans le cadre du programme Vitirev. Ça veut dire que la solution, c'est à la fois, bien sûr, des travaux sur la génétique de la vigne, hein, sur son travail. Du vigneron, mais c'est aussi des travaux très importants sur, bien sûr, la vinification elle-même, que vous connaissez bien. Moi, je travaille beaucoup avec l'Institut de la vigne et du vin ici à Bordeaux sur ces questions-là. Voilà, le climat, c'est clair. On laisse faire, bon, on se prend 4 degrés à la fin du siècle et on prépare une terre difficilement habitable pour l'humanité dans les conditions actuelles. Ou alors, on agit résolument. Vous avez vu l'appel de hier, là, des scientifiques, dont des collègues de l'INRAE, pour qu'on fasse quelque chose, pour qu'on espère pouvoir rester sous les 1,5 degrés. Pour terminer sur les questions aujourd'hui, donc comment on prévoit à long terme hein, climat, l'accès à l'eau, fondamental au niveau viticole, déchets spatiaux, on va les laisser de côté, mais c'est un vrai problème aussi aujourd'hui, déchets nucléaires aussi, stockage du CO2, évolution du vivant. Quel mode de gouvernance? Alors j'en vois aujourd'hui parmi beaucoup d'autres deux aspects importants au niveau fondamental. D'une part, ce qu'on appelle nous la bio-inspiration, hein, c'est-à-dire aller chercher dans le vivant des solutions à nos problèmes. Et voilà un domaine où le monde agricole a un fantastique besoin. Il peut être un champ d'activité en bio-inspiration extraordinaire. Tout vient de la biologie des sols, hein, avec mon ami Marc-André Sellos, qu'on discute là-dessus, s'inspirer des formes, des mécanismes, des matériaux, des relations durables établies, très grande interdisciplinarité. Il faut un gros organisme comme l'INRAE pour bien réussir ça. Trop gros, ça ne marche pas. Le CNRS a beaucoup de mal à faire l'interdisciplinarité. Les petits en plus arrivent mieux, le CIRAD, même l'IFRAMER aussi, parce qu'on n'est pas trop nombreux. Comment on fait travailler un juriste avec un économiste, avec un mathématicien appliqué, avec un écologue, avec un sociologue et avec un anthropologue? Alors là, je pourrais vous citer des dizaines d'exemples, ce sera pour une autre conférence, vous m'inviterez, hein. Mais c'est très important de voir comment, dans le vivant, on a des solutions à nos problèmes. Et le second aspect sont les sciences participatives, hein. Votre président, Christian, s'est intéressé à ça il y a quelque temps. Moi, j'avais produit un papier à l'époque au muséum. Il a repris l'apport des sciences participatives à la recherche scientifique. Très intéressant. Sciences participatives, il y a le mot science. Il nous faut un protocole expérimental et les participatifs. Quel est l'intérêt de ces participatifs? Ils sont partout et tout le temps. Ce que nous, on ne peut pas faire au niveau de nos laboratoires. Et là, un joli travail publié dans Nature Climate Change. Avec des équipes du Muséum et de Montpellier. On montre qu'en 18 ans, nos oiseaux ont fait effectivement 33 km vers le nord et nos papillons 114. Voilà un exemple. Un degré de plus, ils devront faire 250 km vers le nord. Ça s'applique totalement au monde agricole. Et chaque paysan peut être un merveilleux participatif par rapport à ces questions de sciences participatives. Donc je conclue, pourquoi il nous faut de la biodiversité? Parce que c'est la meilleure réponse aux changements environnementaux depuis la nuit des temps. L'humain est aussi la biodiversité.
On a dit on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas vivre sans elle. On la consomme et on coopère avec elle, c'est clair, hein. Une grande biodiversité, on sait, au niveau agricole, augmente la productivité, tout l'intérêt de la polyculture, bien sûr, hein. On réagit mieux aux espèces invasives aussi, quand on est très biodivers. Rôle de base dans les grands équilibres, hein, de la biosphère, hein, tous les grands cycles que vous connaissez très bien et beaucoup étudiés. Une gestion intelligente et pertinente des ressources pour un développement durable. La question éthique aussi, je pense qu'on l'a souvent oublié, et au monde agricole aussi doit aussi s'y coller. J'ai fait partie de mandat du comité d'éthique de l'INRA. À l'époque, ce n'était pas INRAE. Et c'est vrai que c'est des questions aussi qu'il faut prendre en considération. Et la valeur économique, hein, qu'on n'oublie pas que dans tous les échanges mondiaux financiers, le vivant, c'est quand même 40% de ces échanges. Donc, le mimétisme et biorespiration. Si jamais, évidemment, on détruit ce vivant, ben, on ne pourra plus les utiliser, hein. Un pharmacien disait récemment, comment on mettra au point un médicament en 2040 d'une plante qui a disparu en 2010, hein, c'est la vraie question. Projet One Health, alors deux mots, hein, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment, c'est faire considérer qu'aujourd'hui, la santé des écosystèmes, des plantes, des arbres, de la vigne par exemple, ou de la forêt, hein, des animaux d'intérêt agronomique et des humains est complètement liée. Et le Covid-19 est un merveilleux exemple pour démontrer tout ça. Ça, c'est le problème de la pathologie d'aujourd'hui, hein, changement climatique, effondrement du vivant lié aux maladies, 300 maladies nouvelles en France depuis 1940. Eh bien, les trois quarts sont entre 70 et 75% sont liés à des questions de zoonose, hein. Le passage de protozoaires, de protistes, de virus ou de bactéries à l'humain. Donc, il y a plein de cas. Et puis, les questions aussi, bien sûr, de température qui sont à prendre en considération. On est vraiment en plein là-dedans en ce moment dans One Health. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le risque majeur reste sur la pauvreté, hein. On le sait bien, hein. Et moi, au niveau agricole, ça m'a toujours, j'ai beaucoup voyagé. Les plus pauvres sont les paysans. C'est incroyable. C'est eux qui produisent à manger pour tous les humains. Et là, il y a évidemment une métamorphose profonde à mettre en place. Donc voilà ma conclusion. Le vivant innove constamment depuis la nuit des temps. Il innove pour tous, y compris pour les gilets jaunes. Hein. Ça, il faut bien le dire. Hein. Le vivant innove pour tous, avec une énorme parcimonie d'énergie. Ma libellule, c'est souvent mon image, vous le savez très bien, je travaille dessus beaucoup avec Thierry Marx, hein, pour les questions d'alimentation. Les abeilles aussi, hein, elles volent à 100 km/h, la libellule 90, avec 2 watts. Hein. Elle encaisse 30 G en accélération. Comment elle fait? La nature ne s'auto-empoisonne jamais. Elle fait des poisons ultra-violents, mais elle sait les dégrader. Elle a toujours un acheteur pour ses déchets. Hein. Moi, je garde dans ma réserve de la Massane, contre l'avis du ministère de l'Environnement, 100 vaches. Mais pas traité au vermifuge. Grâce à mes bouses de vache, j'ai 60 coléoptères mangeurs de fesses de mammifères. Voilà un exemple où l'humain peut être un moteur de la biodiversité. Une déprise agricole peut très bien correspondre aussi à une diminution de la biodiversité. Le vivant travaille dans des conditions simples, 20 degrés sur un coin de forêt ou 10 degrés l'hiver sur un petit bout d'océan, et avec les éléments abondants, carbone, hydrogène, azote, oxygène. Et de temps en temps, une parcimonie de sélénium, hein, ou de produits très difficiles à trouver, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de parcimonie. Tout ça, on ne le fait pas au niveau de notre industrie actuelle. Donc, la conclusion est très simple. Hein. C'est un vrai message politique aussi. Hein. De toute façon, le pilier pour s'en sortir, c'est quatre piliers. Hein. C'est à la fois, bien sûr, la science. Et ça, on est tous malades ici, à l'INRAE et ailleurs, d'entendre depuis 2 ans des émissions d'opinion. La science n'est pas une opinion. Écoutez, sur le Covid, que des opinions. Je crois qu'on va dans la rue, on a des opinions. Ce n'est pas ça. La science, la vraie science, Étienne Klein nous met en garde. Séparer la science établie, de connaissances claires, de la science en marche. Ne les mélangeons pas. Deuxième pilier, la politique. Hein. On en a dit deux mots tout à l'heure. Hein. Économie a changé au niveau de ces critères, bien évidemment. Le troisième pilier, ce sont les ONG et les citoyens. Chacun d'entre nous. Et le quatrième, c'est l'entreprise. Moi, je ne crois pas du tout à une réussite dans les délais qui nous restent de se préoccuper de façon intéressante et efficace des questions qu'on a sans une participation active et massive du monde de l'entreprise. Il y en a qui ne m'intéressent pas, je les laisse tomber, mais il y en a qui sont vraiment aujourd'hui qui ont envie de faire avec nous. Donc voilà, et on revient en conclusion sur ces questions dont on parle souvent de résilience. J'étais avec Boris Cyrulnik il y a 3 ans, au 4e congrès mondial sur la résilience à Marseille. Et on oublie une chose, on peut réagir à un trauma ou une agression en y survivant. On ne peut pas résilier si on est mort. Et c'est là qu'au niveau agricole, on a aussi des questions très intéressantes à discuter. Je prends le cas des abeilles. Hein.
Abeilles sur terre, en mer, c'est ce qu'on appelle la jellyfication en anglais, la médusation de l'océan, de plus en plus de méduses. Un coup de chalut en Namibie, vous ramenez 500 tonnes de méduses. Donc, tout ça, c'est, je dirais, pas tellement un déséquilibre, une disharmonie des systèmes. Donc, résister à un trauma, à une agression, et sur la base de la résistance, peut-être être capable de résilier. C'est le défi pour tout ça. Et le monde agricole n'échappe pas. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Gilles. Donc, tu es encore avec nous pendant 7 minutes. C'est Non, ça. ouais, 7 minutes. Donc, il y a pas mal de questions pour toi. J'avais envie d'en sélectionner trois et je te les donne. Quelqu'un s'interroge sur le sens du titre que tu as retenu en mettant agriculture dans la biodiversité. Pourquoi tu n'as pas choisi l'inverse? Je te les donne tous les trois, comme ça tu auras le droit de choisir. C'est une très bonne question, mais ce n'est pas par hasard que j'ai pris cet ordre-là, bien sûr. Voilà, donc tu pourras nous expliquer. Le deuxième, tu illustres beaucoup la dynamique par la masse et notamment la transition de masse entre enfin, le sauvage et l'élevé ou l'anthropisé. Est-ce que la masse est un bon indicateur et plus largement, comment on quantifie ce qu'on ne connaît pas? Et puis, si on étend ça à deux dimensions que tu as peu abordées, tu as peu abordé la problématique de la biodiversité intraspécifique, donc, qui est la base de l'amélioration et qui est souvent construite par l'humain, mais aussi la propriété des communautés. La biodiversité, elle existe aussi parce qu'il y a un certain nombre de propriétés émergentes liées aux communautés. Et puis, le dernier point, qui rejoint un tout petit peu ce quand tu soulignais le rôle de l'entreprise, plus largement, comment tu vois la capacité à travailler sur la sensibilisation à cet enjeu-là, sachant que comment on sensibilise avec des démarches qui sont tout compte fait très anxiogènes. Il va faire chaud, ça ne va pas bien se passer. Il n'y a plus d'eau, ça ne va pas bien se passer. Il n'y a plus de biodiversité, ça ne va pas bien se passer. Et est-ce qu'on arrive à sensibiliser avec un couteau dans le dos? Voilà. Alors, C'était mes vous me trois connaissez, questions où j'ai essayé de résumer si vous tout ce qui m'avez a été invité, je échangé. suppose que c'est pour ça, je ne suis surtout pas ni un collapsologue, ni un catastrophiste. Ça ne marche pas. Il est trop tard pour être pessimiste. Voilà. On aurait dû l'être il y a 50 ans, on aurait peut-être changé nos activités. Regardez aujourd'hui, je suis professeur, j'enseigne aujourd'hui dans beaucoup, beaucoup d'écoles d'ingénieurs, également à Agro-ParisTech, vous le savez très bien, et puis aussi au muséum et dans les universités. Qu'est-ce qu'elles me disent, les jeunes filles? On ne fera pas d'enfants. Et nous, on en a fait beaucoup trop. Voilà. Alors, je ne veux surtout pas, on est sur le fil du rasoir, mais on doit communiquer sans développer l'éco-anxiété. Mais ce qui est très clair, c'est que la pire des réactions serait l'inaction. On se retrousse les manches et on fait quelque chose. Et ça, on ne le fera pas sur le monde agricole. Alors, pourquoi agriculture dans la biodiversité? Simplement parce qu'il n'y a pas d'agriculture sans la biodiversité. Elle s'est développée sur du vivant, bien sûr. Et aujourd'hui, elle a un rôle fondamental d'un côté sur, quelque part, quand on détruit du vivant sauvage extrêmement biodivers, ben, un impact délétère sur la biodiversité. Je pense aux zones humides, par exemple, hein, en premier lieu. Et dans le futur, comment elle peut amener à restaurer cette biodiversité? Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des grands groupes. Ben, c'est pas secret, avec Mouette Hennessy, sur des ruinards en Champagne ou bien sur des cognacs à Cognac. Le retour du vivant biodivers dans la vigne est fondamental. On arrêtera des parcelles de 300 hectares de vigne sans un seul arbre et sans haies. On ramène de la vie dans les sols. Et ça protégera à la fois, ça reviendra sur le système de ramener de la matière organique dans les sols, mais aussi de lutter beaucoup plus facilement contre le changement climatique. Donc là, j'y crois très fort. Et l'agriculture a un rôle très important à jouer. Sur les communautés, bien évidemment, hein, vous m'avez lu, vous m'avez écouté. La biodiversité, c'est surtout pas un catalogue ou un inventaire. Hein. Ça ne marche pas. C'est l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants ont établies entre eux et avec leur environnement. Un sol, c'est fantastique de diversité, mais également de mutualisme, de commensalisme, de symbiose, d'entraide, hein, et de coopération. Quand on a fait les travaux, vous vous souvenez, au tout début avec Tara Océan sur l'océan, on séquence l'océan et on ramène 600 000 séquences pas connues. On double en une manip de 4 ans quand même les espèces connues dans l'océan. Et il y a infiniment plus de coopération chez ces micro-organismes, des protistes, hein, des dinoflagellés, des diatomées, des coccolithophoridés, des micro-algues, du phytoplancton, que de la compétition. Donc c'est vrai que cette remarque, elle est fondamentale, hein. Aujourd'hui, le Covid, qu'est-ce qu'il cible? Qu'est-ce qu'il cible? Une disharmonie. Il tue des gens qui déjà sont en déséquilibre de relation avec leurs bactéries symbiotes. Hein.
le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, l'obésité, hein, sont très liées. Il y a encore un joli papier cette semaine qui sort sur ces questions-là. Donc, bien sûr, les communautés sont absolument essentielles et fondamentales. Donc, oui, alors, la diversité intraspécifique, ben, bien sûr, évidemment, elle est totalement là pour moi. Hein. Ça veut dire que ça va être à la fois, et je vais terminer là-dessus sur le Covid. Pourquoi le Covid est sorti? Parce qu'on a été allé chercher des espèces à qui on aurait dû foutre la paix. Hein. Et je pense qu'elles sont peut-être passées, je pense qu'elles sont passées par un laboratoire, mais les chauves-souris qui sont porteuses de ces coronavirus, on les connaît, ça fait 20 ans qu'on va les chercher dans les grottes, le muséum, au Laos, au Cambodge, en Thaïlande ou en Chine. Eh bien, elles sont dans des communautés bien établies. Elles sont à 1500 km de Wuhan, donc quelqu'un est bien allé les chercher pour les ramener là. Rappelez-vous, le premier SARS-CoV de 2003, il dure 3 mois, sans vaccination, il disparaît. Mais il tue beaucoup plus que l'actuel. Aujourd'hui, on est un peu coincé dans un système où il n'est pas assez méchant. Du coup, ben, il va muter en permanence, ça c'est absolument clair. Hein. Puis on voit que nos vaccinations ne sont quand même pas tellement au point, il faut s'y reprendre en permanence. Comment on fait? Et mon combat, ce n'est pas pour... Il faut le traiter, bien, on est bien d'accord, mais c'est surtout pour empêcher qu'un autre nous arrive dessus demain. Parce que si on continue à faire comme on fait là, on va s'en prendre d'autres. Et la variabilité très spécifique, elle est fondamentale. Quand le virus sort dans un milieu très biodivers, d'abord, il y a plein d'espèces qui lui résistent, il ne passe pas. Et au sein des espèces qui lui sont effectivement, qui permettent, qui tolèrent son introduction dans les cellules, eh bien, c'est extrêmement important de voir justement cette biodiversité intraspécifique, parce que vous avez des individus qui résistent. Ce qui fait que le fatras de réaction de ce vivant empêche le virus de vraiment sortir clairement. Si on diminue le nombre d'espèces en premier lieu, et deuxièmement qu'on diminue le nombre d'individus dans les populations qui sont sensibles, on va accélérer le système. Et sur les masques, pour terminer, on prend les masques, c'est ce qu'on a comme outil aujourd'hui. Hein. Mais moi, ce qui me gêne beaucoup, je suis d'accord. Puis hier, quelqu'un me disait, oui, mais Gilles, les poulets, on les produit, mais on les mange. D'accord, mais on prend de la place sur d'autres. Donc, ce que je veux simplement dire à nos amis du monde agricole, c'est qu'il faut ramener de la vie dans les sols. Pour moi, c'est absolument fondamental, hein, et de la spécificité. Et puis, finalement, la grosse question va être la gestion de l'eau. Moi, je me rends compte ici, en Nouvelle-Aquitaine, que c'est très, très, très compliqué. Voilà. En tout cas, il y a un merveilleux défi pour la recherche fondamentale.